va donner. Merci de votre fidélité, c'est Congo Live Télévision. Nous sommes les lundis 16 octobre 2023. Mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo, vous faites bien de le faire. Nous, c'est Congo Live. Bienvenue à votre chaîne qui vous présente et qui vous donne des exclusivités. Ce matin avec Moïse Hangi, militant de la Lucha. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Wazalendu qui nous suivent de partout à travers les pays. Bonjour à tous les compatriotes qui nous suivent en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, c'est au rythme de Wazalendu. En tout cas, au rythme de Wazalendu, nous sommes très déterminés à protéger et à conserver cet héritage nous légué par les ancêtres. Wazalendu, Unashinda. Ah, les Wazalendu. C'est quoi l'actualité ce matin? L'actualité ce matin, c'est d'abord par rapport à la journée d'hier, 15 août 2023, jour pour jour, que fut assassiné les héros africains Thomas Isidore Sankara. Thomas Sankara qui demeure une figure de résistance, de résilience, des déterminations d'Ubuntu, pour ne citer que cela, à l'égard de tous les peuples africains. Nous avions donc hier commémoré la journée qui a marqué sa mort. Il reste ancré dans nos âmes. Il demeure quelqu'un qui nous inspire. Il y a ça beaucoup. Et ça, une autre... Il reviendra prochainement. Effectivement. On parle de l'actualité ce matin. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé hier à Kichanga? Parce que les gens nous ont menti, mais on sait que la situation est sous contrôle. Alors, ce qui est sûr, c'est que les informations parfois qui sont relayées, elles sont de tout ordre. C'est aussi important pour chacun de chaque fois se fier aux sources qui sont quelque peu crédibles. Chacun essaie un peu de dire ce qu'il veut et le reste. Mais ce qui est sûr, c'est que
À Kichanga, il y a une certaine accalmie en dépit du fait que nos compatriotes Oisalendou et même les forces armées qui sont aux côtés des instructeurs, il y a une psychose qui serait causée par certains brebis galaises envoyés par les rebelles du M23, mais la situation a été maîtrisée jusqu'à l'heure où nous parlons. Et je crois que ce qui nous est important, nous tous comme des vrais Oisalendo et des patriotes de ces pays, c'est toujours ne pas jouer le jeu de l'ennemi dès lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas ou lorsqu'il y a effectivement, lorsque l'ennemi essaie un peu de nous embrayer un tout petit peu. Il faut maintenir le moral au zénith et continuer à espérer à la paix et à la pacification de toute notre province et de toute la République en général. Qui contrôle les Kichanga aujourd'hui, c'est bien. Kichanga est sous le contrôle des forces loyalistes. Les forces loyalistes. Non, les forces loyalistes, c'est combien les Ouazalènes, parce que les FARDC ne sont pas là, il faut préciser aussi. Hein. Donc, il faut préciser que ce sont des Ouazalènes qui sont là, pas les FARDC, en fait. Alors, parce qu'on a vu cette vidéo où on voit vraiment des violents affrontements qui ont eu lieu hier. C'est sûr, il y a eu l'M23 qui voulait encore occuper Kichanga, mais les jeunes se sont battus et ils ont repoussé disons les M23 à plusieurs kilomètres. Comment toujours, nous reviendrons toujours sur cette question. Cette montée en puissance, d'où vient-elle? Cette montée en puissance, elle est ici le résultat, je l'ai encore dit ici, de la colère qui anime tous les Congolais et très particulièrement les Oisalendo. Nous avions le devoir sacré de protéger notre héritage commun. Cet héritage s'appelle le Congo. À l'heure actuelle, nous faisons de notre mieux pour effectivement nous serrer les coudes aux côtés de FARDC qui sont devenus un tout petit peu amorphes et trop diplomates pour défendre la terre de nos ancêtres. Nos compatriotes Oisalendou qui sont à Masisi et qui sont partout à travers la province, les sentiments qui les animent, c'est ce que nous appelons le patriotisme. Et qui dit le patriotisme n'est pas loin de cet amour qui nous lie au Congo, à ces pays nous légués par Lumumba, ces pays nous légués par des aïeux au prix du sacrifice. Et nous espérons que nous les sauverons à travers aussi la sueur. Nous le disons même dans notre hymne national. Donc, messieurs les journalistes, c'est ça, c'est cette colère. Aussi, il faut rappeler que au cours de ces quelques années, au cours de quelques décennies, nous avions perdu beaucoup de nos compatriotes. Nous avions perdu beaucoup de nos familiers. Nos mamans ont été violées. Nos frères ont été tués. D'autres ont été obligés d'intégrer par force les groupes rebelles. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de choix que de nous mettre à l'abri et défendre nos territoires. Évidemment, le monde entier qui devait nous aider n'a pas été à même de nous aider. Par contre, certaines forces extérieures jouent le jeu de l'ennemi, s'illustrent par un comportement qui est de nature à favoriser l'ennemi plutôt que de nous aider, nous, le peuple congolais. Je parle ici des Nations Unies qui ont déployé la MONUSCO, laquelle MONUSCO reste la grande armée aujourd'hui du monde, mais au Congo, elle n'a rien effectué, elle n'a rien fait par contre, et elle est devenue une mission de touristes et parfois qui joue le jeu de l'ennemi. La force régionale qui est aujourd'hui en province et qui devait nous permettre, conjointement avec les forces armées, de sécuriser et de pacifier notre zone, c'est plutôt cette force inutile. En tout cas, moi, je la considère inutile, qui joue le jeu de l'ennemi. Alors, l'unique espoir et le seul espoir aujourd'hui du peuple congolais repose sur les Oisalendou et les forces armées de la République démocratique du Congo, qui aussi s'illustrent dans ce qu'ils appellent le respect de cesser les faits, alors que l'ennemi ne respecte pas. Les affrontements qu'il y a eu hier et cette façon de vouloir encore nous troubler à Kitchak, mais c'est parce que les rebelles ne veulent pas respecter les cesser les faits, et puis le gouvernement, les forces armées, et continuent à brandir ça comme étant effectivement un argument de nature à convaincre l'opinion nationale et internationale. Aujourd'hui, on n'a pas de choix, messieurs les journalistes, il faut nous prendre en charge. Vous aviez suivi d'ici moi ce qu'il a dit.
D'ici moi, il l'a toujours dit. Comment je vais dire? C'est un communicateur à bout du souffle. Il ne cesse effectivement de jeter de l'opprobre au Congo et à notre armée et de toujours vouloir montrer que ce sont eux qui ont raison. C'est le gouvernement congolais qui a provoqué, c'est les forces armées qui, effectivement, sont les premiers à vouloir être la cause de cette insécurité. En tout cas, moi, ces derniers temps, je donne peu de crédit à leurs déclarations. Si vous les lisez bien, avec des lunettes d'un patriote, vous comprendrez que même leur communication toujours joue à contre-courant. N'en déplaise à ceux qui estiment que même les revendications et tout le reste, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'elles sont vraies. Nous connaissons tous l'histoire de ces pays. Et c'est très important, je l'ai toujours dit, de comprendre les enjeux. Il a dit ceci, nous appelons le président Tshisekedi au bon sentiment en prenant toute la mesure de la leçon administrée par l'M23 à sa soldatesque FRDC, mercenaire, cet avant-midi à Bouza. Il doit désormais comprendre qu'il n'y a pas de solution militaire à la présente crise, a déclaré Bertrand Bisimwa. N'importe quoi, ça, il devait aller le dire au Rwanda, chez son boss, Paul Kagame, pas au président Tshisekedi. Quand il dit que on les bat, nous allons vous battre. Les Oisalendo, nous restons déterminés, les peuples congolais restent déterminés à en découdre une fois pour toutes avec vous. Vous êtes de mauvaise foi. On a tenté à plusieurs reprises vous approcher à la table pour et vous écouter et voir dans quelle mesure du possible on pouvait répondre à certaines de vos revendications. Kagame, on l'a tout donné, sauf rien. On a donné tout à votre big boss Kagame, mais il n'a pas voulu nous laisser en paix. Aujourd'hui, vous voulez qu'on vous donne le paradis. Vous voulez qu'on vous donne quoi exactement? Nous n'allons pas vous intégrer dans notre armée. Nous n'allons pas, effectivement, vous donner encore nos gisements ici, nos minéraux. Vous ne les aurez jamais. Nous n'allons pas accepter que vous puissiez encore venir ici et déclarer des terres. Commencez à dire que vous voulez encore des communes, d'une tribu, d'une communauté quelconque. Ça, on ne veut plus. Nous restons déterminés et vous allez voir dans quelques jours. Mais au nom de la paix, Moïse. Au nom de la paix, vous devenez un pasteur. On parle ici des affaires d'État, des affaires de guerre, pas question de au nom de la paix. Nous, on a été les plus humbles, on a été les plus pacifiques possibles, hospitaliers. Vous trouvez les termes appropriés à l'égard de ces insensés, mais ils ne l'ont pas voulu. Ils se sont illustrés dans des massacres perpétuel à la contre de nos populations. Ce sont eux qui sont à la base de ces déplacements massifs de nos populations. Heureusement, nous sommes ensemble ici à Goma. Vous connaissez quelle est la situation humanitaire que traversent nos compatriotes qui sont dans les cas de déplacés à Kanyaruchinya, qui sont à Don Bosco et qui sont effectivement d'autres qui sont au niveau de Boulengo. Alors, ces gens-là, ce sont eux qui sont à la base de tous ces malheurs. Ce sont eux qui sont à la base de toute cette souffrance. Ces jeunes qui sont aujourd'hui et qui commencent à faire défection. Heureusement, vous avez même interrogé l'un d'eux. Mais ils essaient un peu de déplorer la façon dans laquelle ils sont gérés dans ces groupes rebelles. Donc, et ils n'ont rien à nous dire. Les 1-23, les Bissimo, les Willing. D'ailleurs, moi je me dis, un jour, vous répondrez de vos actes devant la justice internationale. Nous espérons qu'un jour, rien n'est dit éternellement. Bissimwa, Wilingoma, Kagame et tous vos acolytes là qui n'essaient pas de nous mettre à l'aise sur Internet, un jour, vous répondrez de vos actes. Le sang des Congolais qui a coulé au fil des années ne restera pas effectivement. Il crie justice et un jour demandera ce que vous répondiez de vos actes. Donc, par rapport à la question, messieurs les journalistes, j'estime que nous avions été les plus pacifiques que possible, nous avions été les plus hospitaliers. On a tenté à plusieurs reprises de rapprocher Paul Kagame. Et même lors des assises récentes de Nairobi, Bujumbura, et même au niveau de Luanda, Kagame a été présent et parfois il se faisait représenter. Qu'est-ce qu'on n'a pas dû, messieurs les journalistes? Mais il ne veut pas respecter ça. Lui, il se considère comme étant le Hitler
XXIe siècle, les Hitler de 2023 à l'égard de la RDC, mais même dans la Bible, messieurs les journalistes, Goliath, d'ailleurs Kagame n'a même pas le physique d'un Goliath, et donc c'est un messie, visiblement il ne marche même pas, c'est un président qui est en mauvaise Non, santé, il fait de donc l'ethnie, il un faut peu de pas. retenue. Alors, donc lui qui se considère comme étant Goliath, un jour nous serons des David et nous les battrons. Non, c'est vous qui dites qu'ici il n'y a pas la Bible, ici on parle de la politique et armée, ben, vous ne prêchez pas à travers Moïse et David. Donc il faut vous battre si vous avez la force et gagner cette guerre. On va se battre. Nous ne sommes pas en train de pleurnicher. Nous en avons marre. Nous sommes en colère contre nos compatriotes que nous avions perdus, ça et là. Et nous vous disons que nous n'allons pas céder. Tant mieux qu'ils nous exterminent, nous tous. S'ils sont prêts à terminer tous les Congolais, à nous massacrer, et puis ils n'ont pas un grand territoire comme les nôtres, ils n'ont pas des richesses comme les nôtres, je suis pessimiste qu'il faut Est-ce que vous y savez arriver. qu'il y a la guerre et il y a les gens qui meurent? Mais effectivement, tout comme dans leur cas aussi, il y en a qui meurent. Les cadavres qui sont en train de transporter notamment ça et là, vous pensez que ce sont les gens qui mais ils sont morts Mais qui aussi. c'est qui a la façon d'éviter tout ça? La façon d'éviter tout ça. Ouais. Mais c'est effectivement tout ce qu'on a tenté de privilégier, notamment l'aspect diplomatique, effectivement les comment dire, la pacification, c'est un peu d'approcher et échanger avec eux, mais ils n'ont pas voulu. Pendant que malheureusement, par exemple pour le moment, on devait tous entrer de respecter les cessez-le-feu et attendre le prochain rendez-vous pour s'asseoir, mais eux, ils sont en train de nous mettre mal à l'aise. Est-ce que Kagame a des terres à Kichang? Est-ce que Kagame a des terres à Rutshuru? Est-ce que Kagame a des terres à Bunagana? Mais maintenant là, ce sont les hommes de Kagame qui contrôlent Bunagana. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas récupérer ces éléments et les faire retourner chez lui au Rwanda? Et puis on discute pendant qu'ils sont au Rwanda. Combien de dollars aujourd'hui Kagame fait entrer dans les trésors publics du Rwanda? Vous connaissez les postes frontaliers de Bunagana, l'argent que ça fait entrer. Mais là-bas, messieurs les gens, si vous essayez un peu de consulter les statistiques livrées par la DGDA, la Direction générale des douanes et accises, la DGM, la Direction générale des migrations et d'autres services étatiques, vous pouvez plaire. L'argent que fait entrer les postes frontaliers de Bouna, mais c'est trop, ça peut nous aider à asphalter pas mal de kilomètres de route, ça peut nous aider effectivement à payer le frais scolaire de nos enfants avec la gratuité de l'enseignement du président Tshisekedi. Ça pouvait nous aider, messieurs les journalistes, tant soit peu, à croître notre économie. Mais aujourd'hui, c'est Kagame qui contrôle ça. Et tout l'argent Kagame récupère. Il récupère comment? Comme beaucoup d'argent, monsieur, je ne sais pas comment estimer ça, mais je vous dis que Kagame aujourd'hui, il s'enrichissent au détriment du peuple congolais. Dieu lui a donné son petit pays, avec quelques richesses. Il pouvait se contenter de ça et gérer son peuple avec ça. Mais comment il veut nous mettre mal à l'aise? Il n'est pas le seul, c'est aussi important de rappeler. Il y a aussi l'Ouganda. On n'oublie pas. L'Ouganda qui se permettent parfois aussi de déplacer même nos frontières. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Même dans l'au-delà, nos ancêtres, messieurs les journalistes, ils sont énervés. On nous a laissé ces pays, le Congo, avec une grande superficie et le devoir qui est le nôtre. Et depuis Mobutu, depuis même Léopold II, le départ de Léopold II, c'était de ne même pas céder aucun centimètre de notre terre. Si on continue à céder nos terres, mais des siècles, 4 siècles après, les générations qui viendront après nous, mais le Congo sera déjà parti, alors qu'on ne peut pas s'appeler patrie ou État sans certains éléments, notamment le terre, ou du moins disons même la terre, effectivement la population que nous sommes, qu'on est en train de massacrer, et même d'autres éléments, notamment notre culture, nos richesses, pour ne citer que cela. Mais maintenant, aujourd'hui, l'Ouganda joue aussi le jeu de l'ennemi. L'Ouganda se permet Est-ce que de vous pensez que déplacer vous nos allez gagner frontières. cette guerre? Messieurs les journalistes, je suis de ceux-là qui restent très convaincus que le Rwanda n'a rien de spécial à l'égard de la RDC. Surtout les plats, que ce soit en homme, que ce soit en richesse, que ce soit en diplomatie,
que ça soit, je ne sais pas sur quel plat, ces gens-là, ils ne peuvent pas faire un duel au Congo. Tout ce qu'ils ont, c'est effectivement l'appui extérieur, parfois de la communauté internationale, et pas même de toute la communauté, mais certains pays. Tout ce qu'ils ont, c'est effectivement la mauvaise foi de M. Paul Kagame qui veut à tout prix nous endeuiller. Moi, je pense effectivement que si une fois le peuple congolais se serre les coudes comme un seul homme, vous êtes congolais du nord au sud, vous êtes à Bandundu, vous êtes au Nord Kivu, vous êtes au Kasai, vous êtes au Katanga, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Australie, nous nous serrons le coude, nous échangeons ensemble, nous essayons un peu de montrer les stratégies ça et là. Au besoin, nous appuyons nos compatriotes qui sont à Kichanga, le Wazalendo, qui évidemment tous nous sommes de Wazalendo, mais nous appuyons ceux qui sont déjà sur la première ligne de front. Messieurs les journalistes, je puis vous dire que dans moins de 2 mois, dans moins de 1 mois, nous pouvons mettre en déroute effectivement cette barbarie de M. Paul Kagame. Tel que ça a été pour Kichanga, je crois que c'est possible que ça soit la même chose pour Rutshuru et enfin Bunagana, et nous serons en train de fêter notre victoire. Ça sera quoi la finalité de cette guerre? La finalité, ce qui est sûr, c'est que... Ils se battent, c'est sûr, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? J'estime que on a toujours dit que quelque chose qui a toujours eu le début aura la fin. Autant que ces gens nous ont mis mal à l'aise depuis plusieurs années, je crois que rien n'est dit éternellement. Fin des faits, ça prendra fin. Et la détermination, la bravoure qui nous anime, qui anime tous les Wazalendo, elle est ici de nature à rassurer tout le monde. Tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de réaffirmer notre soutien indéfectible aux Wazalendo et notre armée, bien que c'est une armée aussi qui cède aux caprices, effectivement, de la classe politique et parfois qui a peur. Aujourd'hui, les Wazalendo sont devenus les plus courageux que le militaire. Le militaire commence à je ne sais pas comment dire, mais je crois que si une fois les militaires peuvent aussi emboîter les pas de Wazalendo, évidemment, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine appui. Le cessez-le-feu que le M23 ne respectait pas. S'il respectait ça, il ne pouvait pas y avoir des affrontements qu'il y a hier. Et cette provocation, moi je considère juste ça comme étant une provocation. Quand il y a provocation, ça veut dire que vous ne respectez pas le cessez-le-feu. Et que la moindre chose à faire, c'est de vous battre. Chers militaires, le cessez-le-feu ne nous amènera nulle part. Le M23, les rebelles, on les qualifie de terroristes. Un terroriste, on ne négocie pas avec lui. Un terroriste de mauvaise foi, comme le cas du M23, de M. Paul Kagame, il faut l'anéantir. Il faut vraiment pas consacrer trop d'énergie à lui dorloter, parce que jamais il ne respectera pas ses engagements. Ce sont déjà en principe qu'on devait même pendre. Je me dis à un certain moment, dès lors que peut-être ça, on va monter ce genre de stratégie avec le Wazalendo. On respecte effectivement les droits de l'homme, mais il arrivera un moment où nous allons chaque fois attraper un élément, M23, on les met sous le poteau. On ne les pas publiquement. Comme ça va donner une leçon à Kagame et à ses acolytes. On va commencer cette stratégie. Je vais essayer un peu de voir avec les amis. Effectivement, peut-être qu'on aura des contraintes avec les organisations de défense des droits de l'homme qui vont commencer à crier. Mais peut-être qu'il faut qu'on puisse faire des leçons de ce genre. Messieurs les journalistes, merci. Tout est encore possible. Le peuple congolais reste uni et réaffirme effectivement son soutien indéfectible aux Wazalendo. Wazalendo Utashinda, chers compatriotes, appuyons-nous, soutenons-nous pour sauvegarder le Congo. C'est notre pays. Plus 243, 99, 25, 42, 946. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Moïse, merci d'avoir été là ce matin. Bye. Merci à vous.